Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. C'est une journée pour moi particulière, ce 17 novembre, car ça fera maintenant... En 2011, j'ai ma sœur qui est décédée le 17 novembre en 2011. Donc j'ai une grande pensée pour elle et je lui fais un bisou terrestre. Je ferme la parenthèse. Alors avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Je termine avec, pour cette semaine, Vision Quest Tarot. Et là, j'ai pigé la grande roue de la médecine, eh bien, qui correspond à l'univers. Et dans le tarot de Marseille, c'est la carte du monde. Alors, c'est la nouvelle dimension, n'est-ce pas, l'essence de cette carte, la création, c'est voir la prise de conscience individuelle, c'est l'altruisme, c'est aussi l'ouverture, le monde, c'est l'ouverture, l'univers, c'est l'ouverture, la magnificence, pardon, la connaissance et acceptation de la vraie place dans la vie. Faut-il encore l'accepter, sa vraie place dans la vie, n'est-ce pas? C'est l'essence où je... C'est l'essence de cette carte. Je suis émue, je vais vous dire, je suis émue parce que, voilà, je pense beaucoup aujourd'hui à ma sœur. Donc voilà le pourquoi je bafoue un petit peu. Alors, le message intérieur. La grande roue de la médecine, eh bien, c'est ce qu'on voit au milieu de la carte, n'est-ce pas? On voit cette image qui est représentée, qui représente la terre. Et puis, il y a un serpent qui est au milieu. Et le serpent, c'est le signe de la force mystique, de la création et de la transformation éternelle et du renouveau de toutes les formes vivantes. Et puis nous avons le lion des montagnes, qui exprime le guide spirituel et la force physique, ainsi que l'aptitude à se laisser guider par son cœur. Et puis, eh bien... À gauche, nous avons le buffle blanc, est particulièrement vénéré, n'est-ce pas, par les Indiens. Et il représente, ce buffle blanc, les prières, la gratitude et la plénitude. Et puis en haut à droite, nous avons l'aigle. L'aigle est toujours, eh bien, un symbole du grand esprit, n'est-ce pas? Ses ailes sont sacrées, elles ont été utilisées par les guérisseurs pendant des siècles pour toutes les cérémonies de guérison et elles sont encore pratiquées, elles sont encore utilisées. Elles sont le médium qui
transporte le regard des gens au-delà de leur vie mondaine. Elle leur élargit leur horizon et leur rappelle, eh bien, leur relation avec le monde invisible. L'être humain fait aussi partie du cercle éternel, n'est-ce pas? Il se trouve ni au-dessus de la nature, ni au-dessous de la création. Il ferait mieux de se rappeler de sa vraie position dans la roue de la médecine, de la vie, puisque on voit la tête d'une personne sur la carte à votre gauche. La grande roue de la médecine, eh bien, elle incarne tous les stades d'apprentissage de la vie visible et invisible. Elle symbolise aussi le cercle sans fin de la création divine, de la renaissance spirituelle et corporelle, et l'accomplissement final du tout. Il vous appelle maintenant à vraiment laisser derrière vous, mais vraiment, hein, l'ancien, et de vous orienter vers votre nouvelle phase de vie. On vous invite à vous libérer. Libérez-vous à présent définitivement de votre passé. Vous êtes encore dans cette dynamique de ressasser le passé. Le passé, il est passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. À quoi bon de ressasser? Fermez cette porte au passé. On ne vous demande pas d'oublier. Parce que vous l'avez vécu, le passé reste le passé. Mais ne vous accrochez pas au passé. Parce que vous n'avancez pas. Remerciez-le, au contraire, le passé. Soyez reconnaissant. Parce que vous avez appris avec ce passé. Ça vous a servi de leçon et ça vous servira encore de leçon. En tout cas, ne le traînez plus. Ne le traînez plus comme un boulet derrière vous. Parce que c'est cela, hein, que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous. Alors que ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce qui vous appartient restera près de vous et viendra toujours à vous. Votre passé, qui n'existe que dans vos pensées, présentement, va céder sa place à un présent beaucoup plus enrichissant, puisque vous avez tiré des leçons de ce passé. Alors, si vous le voulez, vous avez à présent la chance de vous éveiller intérieurement, d'être un peu plus conscient dans votre intérieur et de commencer, eh bien, une toute nouvelle vie. L'éventualité que la force du changement éternel se manifeste d'une nouvelle façon dans votre vie extérieure, eh bien, elle est très grande. Même sur le plan matériel, vous commencez à prendre une toute nouvelle orientation. Alors, ceci peut influencer la position, eh bien, évidemment, de votre travail, n'est-ce pas, comme celle de vos relations et vos amours. Alors, aujourd'hui, ne vous laissez pas retenir par vos peurs et vos pensées que votre petite tête produit par habitude ancienne, n'est-ce pas? Laissez partir l'ancien. Allez dans le nouveau monde, dans ce monde qui vous tend les mains, la main, pardon, dans ce monde qui vous tend la main, qui ouvre tout grand
sa porte. En tous les cas, pour certains d'entre vous, si vous réussissez à laisser votre passé derrière vous, à fermer cette porte, à faire des lâcher-prise, eh bien, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui vient à vous. C'est sur votre chemin. Et on vous invite à être prêt à le recevoir. Osez. Osez faire le saut dans la liberté et la beauté de l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Osez faire le saut dans une vie plus libre. La liberté n'a pas de prix, que ça soit physique ou mentale. La grande roue de la médecine. Waouh, ben je trouve qu'on termine très très bien cette semaine, c'est un très très beau message. Et puis on termine avec l'oracle de l'évolution. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour, là, tout de suite. Alors, pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis un très très joli week-end. On se retrouve dans une prochaine capsule et puis d'ici là, moi je vous embrasse. Portez-vous bien, à très vite.